Il faut ouvrir le micro des institutions Schneor. On voit la vidéo du rabbi, mais le micro est fermé, on n'entend pas. C'est vrai que c'est sous-titré. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Alors, vous avez une vidéo du rabbi. Le rabbi. Ah, j'ai mis Oui. le son. He's been totally in the lockdown, going out and learning the truth and things. Si, si, j'ai remis. Says, well, this one, I speak to the rabbi this one recently. He said to me, it's faster on the Swiss canal than it is on the French Riviera. Ma chère, je demande 0 euros. Elle a dit la purée, il fait les courses. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Il a envoyé une message à personne. Bon.
Je dirais que c'était pas du bon. Et si j'enlève. Attends, passe-le-moi. Dis-lui de venir par là. Attends, comment ça, je le réponds. Je vais dire un petit peu mon cas. C'est avec mon portable. Mais ça reste l'image ou ça s'enlève si je touche? Non, non, ça l'est. Hein? Alors, ça va s'enlever la vidéo. On ne peut pas faire autre chose. Non, sur la bande. C'est une fois que tu reprends pour le moment, que je te reprends. Connecte-toi. Non, il se met sur les bancs, c'est bien.
Si vous prenez les petits depuis moins 5 jours et que vous ne prenez toujours pas les petits. Bonsoir à tous et à toutes. Elle est au et dans ce d'être parmi nous dans ce moment difficile. Et Sarah, il y a quand même un an, un moment difficile pour le peuple, il y a encore un an, il va cher. D'accord, je parle pour bon Dieu, va nous aider si tu veux. Nous sommes 30 jours de la journée qui on peut même pas imaginer que quelque chose comme ça existe. Il peut exister. Nous sommes là pour se réunir, pour faire honneur à nos chers disparaître. Les Kiddushin, ils sont partis. Les Kiddush Hashem. Et en même temps aussi, de supplier Hashem que le temps de notre délivrance est arrivé avec Mashiach tout de suite. Amen. On va demander tout d'abord notre cher Rav, le rabbin de la Kéhila Shnéa, Maran qui lui-même, c'est un enfant de rescapé de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale. Son père, il a écrit des livres. On va lui demander de nous adresser quelques paroles. Laura, il y a ce qui sera bien partagé par vous. Bonsoir. Juste avant que j'arrive ici, j'ai reçu un message de Shaliach de la ville de Thaïlande qui va nous faire rappeler que Tafshin Tetzayen, il y avait un gros attentat au Kfar Chabad, et là ils ont été en train de prier à la ville. Il y avait malheureusement plusieurs touristes qui ont été à la choule. Ils ont éteint les lumières et ils ont fait là-bas plusieurs victimes, très très mal. Et pendant une semaine, les rabbis
Il n'a pas donné aucune lettre. Il n'a pas donné aucun message. Juste après une semaine, il a donné un message des brachot et des chizouk. Alors, tout le monde n'a pas compris comment ça se fait que les premières semaines, il n'a pas réagi avec les lettres. Mais le rabbi explique que quand ça arrive les moments difficiles, comme c'était avec la Aaron HaKohen, il a perdu les enfants pendant les fêtes de Elohim, c'est marqué Vaïdom Aaron. Vaïdom Aaron, ça veut dire qu'on est brisé, on peut se sentir très mal, mais on n'a pas le droit de poser une question, on n'a pas le droit de donner une raison pourquoi c'est passé comme ça, ras et shalom. Même quand c'est passé les moments de Shoah et qu'il y avait les moments plus, les moments difficiles, jamais le rabbi il a donné une explication comme si c'est les moments difficiles pour juste avoir les mouna et tout ce qui se passe, c'est dirigé par la Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas donner aucune explication et aucune question pour juste de pleurer et de dire à Kadosh Baruch Hu qu'on est mal. Il faut savoir que en Israël, c'est les deux côtés qu'on sont. D'un côté, on est très mal, des moments difficiles, et en Israël, maintenant, ils sont en train de subir. Mais de l'autre côté, la Bible dit, il faut être Simcha. Il ne faut pas perdre le moral. Parce que si Chas v'Shalom, on perd le moral, ça c'est la volonté de l'ennemi. L'ennemi voulait qu'on va perdre le moral. Il faut toujours être Simcha. Je me rappelle quand j'étais à la Bible, les guerres de Kippour, c'était Tafshila Medale. On était le matin, on arrivait, on priait chez la Rabbi. Et là, ça a déclenché les guerres de Kippour. Et la Rabbi, il arrivait, il a fait Bessimcha. Il a fait des joies. Pourquoi? Parce que Bessimcha, t'es tzé, ou quand on est Bessimcha, même si c'est très difficile, là, ça ramène les poulets bénédictions. Plusieurs fois, le Rabbi, il avait. Plusieurs personnes ils ont passé un moment difficile. Et la Bible a dit que les tristesses, ça bloque de toutes les abondances, l'abondance de tous les brachot. Et quand on est Bessimcha, ça débloque. Mais la question, comment on peut être Bessimcha? Je rappelle, j'étais en Israël, le moment que c'est passé, c'était Shabbat, Simcha Torah, juste avant le mois, j'étais en Israël. Là-bas, c'est le Shabbat. C'est le jour de l'Akavot, pas ici. Ici, l'Akavot, c'est l'endemain, mais là-bas, c'était au milieu de l'Akavot. Et on a entendu ça. Alors, là-bas, il a dit, le Shariach, il a dit, qu'il y a des sortes de Simcha. Il y a quelqu'un qui est joie. Parce que, bon, Hachem, il a jaune, il a tout. C'est-à-dire, c'est pas Simcha avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand c'est des moments difficiles, et malgré ça, on est de Simcha, parce qu'Hachem, il a nous dit, qu'être de Simcha, ça se dit qu'on est de Simcha pour Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit que nous, on donne confiance, Hachem, c'est là qu'Hachem, il va donner les bravos. C'est-à-dire que le message de là, d'un côté, c'est très très mal, c'est très 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 mal. Tout ce que les âmes israël, ils ont passé avec les rosiers, avec les kidnappés. Donc, il faut prier, il ne faut pas, c'est-à-dire, avec tous les travaux qu'on fait, on travaille le matin, le soir, on étudie, mais il faut prier, il faut vivre avec Israël, il faut sentir tout ce qui se passe en Israël. Et de l'autre côté, il ne faut pas perdre de morale, il faut avoir le bitachon. Ça veut dire quoi, bitachon, le rabbi l'explique. Le rabbi ramène, c'est marqué dans le Chovat, dans les Vavot, c'est quoi, bitachon? J'ai confiance à chaque quoi? Quand quelqu'un il passe un moment difficile, il dit, j'ai confiance à Hachem qu'Hachem m'a sauvé. Mais comment tu peux, comment, il y en a qui expliquent, bitachon, c'est veut dire, j'ai confiance que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un il sait qu'il est tzaddik, qu'il est pauvre, qu'il n'a pas fait aucun péché, alors je suis sûr qu'Hachem il m'a sauvé. Et si Hachem il a fait péché, je sais tout ce qui se passe, ça arrive par la Hachem. Mais la Bible dit, ce n'est pas ça le bitachon. Le vrai bitachon, c'est dire, je suis sûr
Et Hachem, il a nous sauvé. On est sûr que l'âme Israël, il va gagner. Mais la question, comment on peut être sûr si Chas Shalom, des fois, quelqu'un, son comportement, il est mal. Yaakov Avinu, même si Hachem, il a promis, Yaakov Avinu, quand même, il a hyper, chez ma gara machet. Le rabbi demande, comment je dis, je suis sûr, à Kadosh Baruch Hu, que tu vas sauver, je suis sûr qu'en fait, quand tu vas être bien. Le rabbi l'explique, il ramène l'histoire avec le Tzemar Tzedek, qui une fois quelqu'un lui a demandé pour les santé. Alors le Tzemar Tzedek, il a dit, drach gut, mais zain gut. Pense bien, c'est vrai être bien. C'est dire quoi? Le rabbi l'explique, quand je dis Hachem, Hachem, je te donne confiance et tu m'as fait bien. Je donne confiance, je suis sûr qu'il va être bien. L'Hachem dit, ah, comme il me donne confiance, alors, de fait, il m'a donné confiance, déjà, c'est là, Hachem, parce que nous, pour l'Hachem, on est le fils. Hachem, le Dieu, c'est notre père. Nous sommes les fils d'Hachem. Quand le fils, il dit, papa, je suis sûr que tu m'as fait bien. Alors, même s'il a fait beaucoup de péchés, mais de fait, mais il faut vraiment sentir, il faut être tranquille. Comme le bébé, il est dans les mains de sa mère, il est tranquille. C'est la même chose. Non, je veux que c'est. Non, c'est pas. Ça marche. Oui. Ça marche. Ça continue. Et le rabbi dit, quand Chassé Shalom Minashamay, on voulait faire à quelqu'un mal, alors on enlève son bitachon, c'est-à-dire qu'il n'a pas les forces d'avoir la confiance. Donc, quand on donne confiance à Hachem, et Hachem, je suis sûr que tu m'as sauvé. Alors, même s'il a fait beaucoup, même si son comportement n'est pas été comme il faut, mais de fait, il donne confiance à Hachem, la chaîne, il va sauver lui. C'est qu'on dit tout le monde, il y avait une dame, il habitait là-bas à côté de Gaza, une dame qui elle-même n'est pas Shomer Mitzvot, mais sa fille, il a devenu Lubavitch. Et les petits-enfants, les Nechadim, ils ont donné beaucoup de. Même avant, ils ont donné beaucoup de messages à le grand-père. Alors, ils ont dit les choses de la vie, que la vie a parlé beaucoup sur les liens de Bitachon. Alors, les dames, elles racontaient qu'elle était à la maison, et tous les terroristes, ils sont rentrés à la maison d'elle. Ils ont tout cassé. Et les dames, il était dans les. Il s'appelle Hadar Meimar. C'est une chambre où c'est. Hein? Oui. Et les terroristes, ils ont tapé, et toutes, elle était là-bas à 8 heures, et toutes les 8 heures, elle a dit, Hachem, je te donne confiance, Hachem, je suis sûr que tu m'as sauvé. Et logiquement, c'est, Hachem, shalom, logiquement, il n'y avait aucune logique, mais il a répété, Hachem, je sais que tu m'as sauvé, Hachem, je t'aime, je sais que tu m'as sauvé, et elle était sauvée. Et aussi, elle a dit, des méchants, elle a dit, merci, Hachem, c'est connu. Quand on dit merci, alors, c'est aussi des choses. Donc, alors, Bézat Hachem, alors, des côtés, c'est très difficile. Mais c'est sûr que Bézat Hachem n'est pas loin du Tachon. L'Oyamou, Béloï, Cham, Chorin, Israël, Bézat Hachem, c'est sûr que nous avons la roue, les Géoula, bientôt, les Géoula, Bézat Hachem. On va demander maintenant à Rabbi Yamin Gansbourg, c'est-à-dire de Rabbi ici, dans le Gouillet, à Shpia, qui est la Schneider, de venir y faire une prière spéciale pour tous les Nishamot Hakdoshim, s'ils ont disparu. Rabbi Yamin Gansbourg. Le
Rougi, Machem Kondomo. Je pense que les hommes, Babouch, Bilinède, Hitou, Sok, Banaskor, et Shmosom, les Ganei, Dantem, le Fosom, Rachem, Malarachem, Yasserem, et c'est le pour les hommes, et Hitou, c'est le Racham, et Shmosom, Adeno, Yonachalosom, et Yonoukom, Mishkom, Mishkom, Adem, Aromen. C'est pour les hommes, pour les femmes. Et pour les Racham, Mishkom, 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 כל הרובן שעשו במקום דמו, שעוד פולי לבו, דבר שבלילד איתנו צדור כבד הדבר לשמוע סוף וגלי, ניתן בלב חוסר, נוחים ולא רחם יסתיר ובסד פעם ולרוביר, ועיצר וצרחיים את לשמוע סוף, עד אינוי נחלו סוף, ותנוח עם המשקום ומשוע ולב הרומן. שלום כוח, רבי נמי גנזבורג, normalement, il y a Rabbi Simcha et Rabbi Yosef Yitzchak Alnetson qui devraient être là avec nous, mais ils sont sur une mission spéciale. Donc, ils sont avec nous dans l'esprit. On va demander maintenant, juste avant d'appeler Rav Goldberg, on va demander dans la Yash Vinselevich de nous donner quelques mots de chizouk au fils de président. Les institutions Schneider, Rav Eliezer Nisselevich, c'est sûr qu'il est là en train de lui donner la force de les attacher en le Mashiach, en le Rav Yashvi. Le Mordechai, le premier rabbi de Lubavitch, il dit la chose suivante. A priori, quand Dieu a créé le monde, il a écrit Vayere, Vayevoka. Il a écrit la nuit et après le jour. Normalement, il a dû commencer par le jour et après la nuit. Et on voit que dans les fêtes juives, on commence toujours la veille. La journée, elle commence par la veille. Le Shabbat, on commence le soir, vendredi soir. Les fêtes, le soir. La question, elle est pourquoi? A priori, normalement, quand tu commences un jour de travail, tu commences le matin, tu commences la veille. Alors la réponse, elle est juste incroyable. HaKadosh Baruch Hu veut nous faire passer le message. Qu'avant chaque lumière, avant chaque matin, avant chaque dévoilement, tu dois passer par une obscurité. Et plus l'obscurité, il est grand, plus le dévoilement, il est grand, plus la lumière, il va être grand. Et avant la fin des temps, que HaKadosh Baruch Hu, que notre Dieu, il va descendre ici sur terre, on pourra le voir face à face. Aujourd'hui, il se cache. Mais il va avoir un grand voilement, grande obscurité. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut savoir que c'est avant le dévoilement. Avant le matin, l'obscurité est très, très forte. Et tout ça, ça va être une préparation pour un grand, 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 grand dévoilement. Le rabbi répétait beaucoup de fois le premier rachis de la Torah. Après vous, on aurait dû commencer la Torah avec « Achodesh Azerachem ». C'est-à-dire, il y a une mitzvah qu'il faut compter les mois de l'année. C'est la première mitzvah de la Torah. Pourquoi on commence la Torah avec « Bereshit Bara Elohim » « Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre ». On aurait dû commencer avec la première mitzvah. « Et Achodesh Azerachem ». Et Rashi demande cette question. Rachid est un Français qui a vécu ça fait un temps très bien à Troyes. Et à son époque aussi, malheureusement, les Juifs étaient, comme toutes les générations, ils avaient beaucoup d'obscurité et beaucoup de complications dans leur existence. Et il dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, on aurait dû commencer la Torah avec Achodesh Zerachem. Pourquoi on a commencé avec le Rachid pareil donc, pour nous dire la chose suivante. Un jour, les nations du monde vont venir et vont nous dire « Nous sommes des voleurs. » On leur a volé leur terre, la terre d'Israël. Et à ce moment-là, il faut leur dire la chose suivante. Le maître du monde, c'est le bon Dieu. C'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui le recrée chaque instant. Et Dieu, il arrête de parler, il n'y a plus de monde. Et ce même maître, il donne la terre d'Israël à qui il veut. C'est le patron. Et de la même façon qu'il a donné à un peuple, il a le pouvoir de reprendre la terre
de ce peuple en question et le donner au peuple juif. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, quand on a des questions, et aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de non-juifs aussi, dans le monde entier, ils nous disent qu'en quoi le problème de l'affaire d'Israël, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème biblique. Dans la Torah, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu donne la terre à Abraham Avinu. Les enfants et les enfants. Et si nous, on va la donner à quelqu'un d'autre, eh bien, on va faire, on va pas accomplir la volonté du bon Dieu. C'est pour ça que plein des millions et des millions de non-juifs dans le monde se battent pour que la terre d'Israël, pour que le palais de Kadosh Baruch Hu sera pour le peuple Israël, pour le peuple juif. Parce que cette terre-là, elle appartient qu'à un peuple, au peuple juif. Pendant des milliers d'années, les gens, ils ont essayé de vivre là-bas. Et ceux qui n'étaient pas juifs, ils avaient du mal. Le peuple juif arrive, ça fait 70 ans. On voit comment l'État d'Israël, comment la terre d'Israël, l'État d'Israël, peut devenir le palais du monde juif. Et malheureusement, le 7 octobre de cette année, il y a eu ce qui a eu. Le rabbi demande tout le temps à Maaseh ou Ikar. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui se passent, pour rajouter dans l'action. Comme le rabbi a parlé, pour être joyeux, pour rêver le moral, et quand on fait de l'action, quand on est en action, on rajoute le moral. Alors c'est pour ça qu'on va lancer un projet. Un projet incroyable, qui est en réalité des États-Unis. Parce qu'en réalité, le rabbi, dans une lettre, il écrit la prison, les prisons, ils sont remplis d'enfants que leurs parents ne savaient pas leur mettre des limites. Je répète, les prisons dans le monde entier, ils sont remplis avec des enfants que leurs parents ne savaient pas leur mettre des limites. Ils étaient trop gentils avec eux, et quand il n'y a pas de limites, ça part de partout. Et on veut tous éduquer nos enfants comme il faut, mais des fois on a du mal, on ne sait pas, on vit dans une société aujourd'hui qu'on ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, on voit le monde, ce qui se passe, malgré qu'on a eu ce qu'il y a eu, il y a beaucoup de personnes qui pensent que peut-être le mal et le bien, ils sont mélangés d'une façon très forte, spécialement aujourd'hui, durant toute l'histoire, depuis le traité de Sadat, depuis la faute de Adam, mais aujourd'hui spécialement, on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et pour remettre les pendules à l'heure, il faut ouvrir la Torah. Dans la Torah nous dit exactement pourquoi on ramène des enfants. Comment faire pour les éduquer de la meilleure façon? Comment faire en sorte que d'un côté, on va les créer une estime de soi positive et de l'autre côté, on va leur mettre des limites. Toutes ces questions, ils sont répondues dans la Torah. Alors, il y a un projet qui s'appelle JLI, Jewish Learning Institution en Amérique, qui a fait révolution et des milliers de personnes dans le monde entier profitent de ce projet. Un projet qui s'appelle l'art d'être parent. En réalité, on va enseigner avec 6 séances. La première séance, ça sera demain, Bezrat Hashem, ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin de s'inscrire pour la première séance. Et on va essayer d'expliquer, selon la Torah, parce que la Torah, c'est la seule chose qui ne change pas. Tout le monde essaie de trouver des théories, des fois ils fonctionnent, des fois ils ne fonctionnent pas, mais ça peut changer avec le temps. Il y a des grandes théories que les gens ils pensaient qu'ils étaient bonnes, après il s'avère qu'ils n'étaient pas bonnes. Par contre, la Torah, c'est la seule chose qui ne change pas. Si on est ici, c'est grâce que nos parents nous ont éduqués. C'est-à-dire que le mouvement le plus réussi de parental dans le monde, c'est le judaïsme. Si on a tenu tellement d'années, 3335 ans, malgré que le monde entier, des fois, avait du mal avec nous, on était tellement petits, on n'avait pas de terre pendant 1900 ans, on est resté sur la terre d'Israël que 1300 ans durant l'histoire. C'est-à-dire la majorité de notre histoire, on n'était pas sans notre terre. On n'avait pas de langue spécifique, on était dispatchés dans le monde entier, on est resté, on est encore là vivant. C'est grâce que nos parents nous ont éduqués. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret de l'éducation que nos parents nous ont éduqués? C'est pour ça qu'on va lancer un projet. Ça s'appelle GLI. Une fois par semaine, le lundi soir, on va commencer par demain soir. Parce que comme on habite le Massieu et Carin, l'action, pour essayer d'enseigner nos enfants de la meilleure façon pour qu'ils grandissent avec des vraies valeurs. Parce qu'on sait très bien que quand les enfants, ils n'ont pas des vraies valeurs, ça peut partir de partout. Alors nous, il faut savoir une seule chose. C'est qu'on est à la fin des temps. Tout le monde le ressent. Le rabbi, il a dit ça, ça fait déjà des années et des années. Ils ont vu que le monde ne parle que de ça. Il faut juste préparer le monde pour recevoir la divinité ici-bas. Et chacun est un monde entier. C'est écrit que quand on a sauvé une personne, on a sauvé le monde entier. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a créé Adam. Tout le monde vient d'une personne. Parce que quand tu sauves une personne, tu sauves le monde entier.
Alors qu'on essaie de faire un travail déjà personnel, parce qu'on veut tous aider pour l'État en Israël, on veut tous faire en sorte que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on pourrait vivre ensemble. Et on pourrait être Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec une sérénité, une tranquillité d'esprit. Alors qu'on espère déjà que cette soirée va nous ramener la délivrance totale et finale avec le troisième temple. Je veux dire que Rav Goldberg a un autre livre, un livre qui s'appelle Lubavitch, un livre incroyable, qui va Bezrat Hashem vendre ce soir après peut-être je peux le ramener ici comme ça je montre aussi au table. Il a ramené deux livres, deux, trois livres, que Bezrat Hashem après le cours, eh bien, on n'est pas pour venir et acheter le livre avec la dédicace de Rav Goldberg, venu spécialement pour ce soir. Je pense qu'une meilleure explication, c'est Rav Goldberg qui va le faire lui-même. C'est l'auteur de ces magnifiques livres. Nous avons la chance de l'avoir avec nous. Il est venu de faire un petit voyage depuis la ville d'hier. Il est parmi nous ce soir. On le remercie. De la part de l'hôtel Schneider, tous les invités qui sont là ce soir. Rav Goldberg, c'est un très grand historien dans l'histoire juive, surtout dans l'histoire hassidique. Et il a passé beaucoup de temps avec le rabbi de Lubavitch, le Mashiach. Donc, c'est ce qui va nous inspirer ce soir. Il va nous donner la force et le courage de Bezrat Hashem, réussir ce combat, la lumière contre l'obscurité, le bien contre le mal, et bien sûr, Mashiach contre le galoute qui nous attend, qui se va terminer tout de suite à même. Un golden, pardon. Voilà, il y a un enfant qui fait une petite remerciement pour M. Norginskika qui est là avec son équipe. Bravo. Merci d'être venu et de nous montrer ce soutien pour montrer qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Quand on est des êtres humains, on s'aime et on soutient un à l'autre. On est tous des créations de Dieu et on veut tous une chose, la paix, la tranquillité et le shalom, comme on dit. Et bien sûr, ça englobe dans le mot Mashiach, ça, qu'est-ce que je répète plusieurs fois, parce que c'est la génération de Mashiach qu'on est en train de vivre du moment très très dur. C'est comme une naissance. Et c'est dur, mais après, il y a le bébé qui sort et tout le monde est content. Alors, on va prochain qui arrive très très bientôt. Très bien. Bonsoir. Voilà, c'est un grand bonheur pour moi de venir dans cette somptueuse, cette magnifique école à Chinéor. Il porte le nom du premier rabbi de Lubavitch, en plus, Rabbi Shneur Zalman, l'homme aux deux lumières. Et alors, le titre de la conférence ce soir, c'est le rabbi et la sécurité de l'Israël. Mais en vérité, ce titre aurait pu s'appeler le rabbi et la sécurité du monde, la sécurité du monde entier. Parce que, comme disait un grand homme d'État anglais, Winston Churchill, lorsque les Juifs sont en sécurité, le monde entier est en sécurité. Et comment est-ce que le monde entier peut être en sécurité? Eh bien, le bon Dieu a donné, avant même que les religions existent, avant même qu'une morale humaine existe, dès que les premiers hommes ont commencé à exister sur Terre, le bon Dieu a donné pour toute l'humanité des principes universels, qu'on appelle les lois de Noé. Vous savez, d'après la tradition biblique, toute l'humanité descend d'un seul homme qui s'appelle Noé, d'abord Adam, ensuite les débuts, et donc on descend tous de Noé, l'arche de Noé. Et le bon Dieu, pour que tous les êtres humains se respectent, s'entendent bien les uns les autres,
il a donné des principes universels. Les principes universels qui, plus tard, ont été effectivement universalisés par le prophète Moïse. Et le premier des principes universels, c'est de ne pas remplacer Dieu par une idole. Ne pas remplacer Dieu par une idole. Et en vérité, on voit qu'au XXe siècle, il y a eu beaucoup de philosophies qui sont nées. Vous savez, le cerveau humain avait été bouleversé par toutes les découvertes de la science. En l'espace de 40 ans, la science a progressé d'un coup plus vite que pendant les 6000 ans précédents. Donc d'un seul coup, vous voyez, c'est comme souvent les gens qui gagnent le loto, ils perdent la tête. Ou un riche héritier, sur d'un seul coup un milliard, il perd la tête. Et bien, quand il y a eu d'un seul coup, en l'espace de 40 ans, la science a progressé d'un coup plus vite que pendant les 5500 ans précédents, et qu'est-ce que ça fait? L'humanité a perdu la tête. Et en particulier, il y avait le peuple qui était le plus scientifique du monde à l'époque, qui était en avance sur tous les peuples du monde sur le plan de la science, et de la philosophie aussi. C'était l'Allemagne. Et alors, ils ont commencé à créer une philosophie pour expliquer qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas besoin de Dieu. Et que la science elle-même, elle rendra tous les êtres humains meilleurs. Plus les gens vont apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Ils vont dire des livres, ils vont écouter des cours scientifiques, philosophiques. Les gens vont changer parce qu'ils connaîtront beaucoup de choses, beaucoup de sciences. Et puis, on a vu que ce peuple, qui était effectivement le peuple le plus scientifique du monde, le plus avancé du monde, il avait un record mondial de prix Nobel. Et ben, même les lycéens, les écoliers allemands, ils étaient toujours plus haut au niveau de culture supérieure à celui du monde entier. Finalement, comme leur philosophie, c'était qu'il fallait rejeter Dieu, mais ils se sont créés un nouveau Dieu, il s'appelait Adolf Hitler. Et ça a créé la Deuxième Guerre mondiale et 50 millions de morts pour tous les peuples du monde. Parce qu'en vérité, il faut savoir une chose, c'est que le besoin de Dieu, le besoin d'absolu, est tellement fort chez l'être humain. Ça fait partie congénitalement, j'allais presque dire biologiquement, du besoin du cerveau humain. Le cerveau humain, il est branché, connecté avec une notion de l'absolu. Et s'il oublie Dieu, inconsciemment, il est obligé de se créer un autre Dieu à la place. En Allemagne, ça a été Hitler. En Russie, ça a été Staline. En Chine, ça a été Mao Tse-Tung, etc., etc. En Italie, Mussolini. Alors aujourd'hui, les dieux politiques ont été déboulonnés. Voilà, on ne croit plus dans l'idée politique. On a vu ce que ça a donné, des millions de morts, des dizaines de millions de morts, on l'a compris. Mais malgré tout, la tentation d'idolâtrie, elle est toujours lâchée l'être humain. Elle est toujours lâchée l'être humain. Pas forcément se préparer devant une statue, comme c'était dans l'Antiquité, mais on peut par exemple adorer le plaisir matériel, adorer l'argent, le pouvoir. Voilà, l'argent, c'est le Dieu suprême. Il y a d'autres dieux aussi qu'on peut s'inventer. C'est pour ça que le premier principe de Moïse, c'est de ne pas remplacer Dieu par une idole. Ensuite, il faut respecter Dieu. Voilà. Je ne veux pas tuer, sauf que j'ai une défense absolue, vraiment, si quelqu'un peut le tuer. Vous essayez de le blesser, de le faire prisonnier, ensuite on va le juger. Mais sauf si vraiment, si vous savez que c'est le faux qui va vous tuer, vous, là vous avez le droit. Il faut vraiment que ce soit extrême, extrême limite. Et il ne faut pas voler, évidemment. Il ne faut pas voler. Hein. Vous savez, le vol, on le prévient, mais ce n'est pas grave, il a volé une petite chose, il a volé des petits écouteurs, c'est rien, ce n'est pas grave, mais en vérité, qui vole un autre, vole un bon. D'accord? Il dit que le déluge est venu dans le monde parce que les hommes volaient sans arrêt. D'abord, ils commençaient à voler des petits objets, puis ensuite, ils sont mis à voler d'autres êtres humains. Aller prendre en otage, en esclavage, etc. Donc, ne pas voler. Ni des petites choses, et ni des grandes choses. Et si on commence par des petites choses, finalement, on arrivera aux grandes choses. Et puis, il y a les interdits de Dieu. Par exemple, l'interdit de l'inceste. Par exemple, le mariage entre frères et sœurs, c'est interdit. Entre parents et enfants, c'est interdit. C'est Dieu qui l'a interdit. Les mariages... aussi, quand on est marié, tromper sa femme ou tromper son mari avec une femme ou avec un autre homme, c'est aussi interdit par Dieu. Les mariages entre hommes, bien qu'aujourd'hui ce soit très à la mode, mais c'est aussi interdit par Dieu. Les mariages entre femmes aussi, etc., etc. Et puis, il y a aussi
l'interdiction de faire souffrir les animaux. L'interdiction de faire souffrir les animaux. Au départ, les hommes n'avaient pas le droit de manger des animaux. Après le déluge, Noé, donc le survivant, a reçu la permission de manger les animaux, mais à condition de ne jamais les faire souffrir, d'utiliser des moyens que vraiment ils ne souffrent pas. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'abattage rituel juif, où l'abatteur rituel vérifie sans arrêt toutes les nuits, qui vérifie la lame de son couteau, si aucune n'est pas mûre, vraiment pour l'animal, vraiment ne souffre pas. Et puis, il y a l'obligation de la justice. Il y a l'obligation de la justice. Alors, ne pas laisser tous les voleurs et tous les criminels, malheureusement, dans la faire n'importe quoi. Il faut une justice. Et puis, il y a l'obligation de la générosité. De la générosité. Et il y a le plus grand loco spirituel de notre époque, le grand rabbin du monde, comme on l'appelle, le rabbin de Lubavitch. Cette école est basée sous ses auspices. Eh bien, il avait proposé même à l'ONU que tous les êtres humains prennent chaque matin une minute de silence pour réfléchir, chacun avec ses propres idées, réfléchir comment devenir un meilleur être humain. Quand il y a des crimes, etc., il y a demande de faire une minute de silence après. Mais il ne faut pas faire une minute de silence après, il faut la faire avant. D'accord? C'est pour ça que Rabbi avait demandé que dans toutes les écoles laïques, il y ait dans l'université, les écoles, les lycées, les collèges, il y ait tous les matins une minute de silence où chaque enfant, chaque élève, les petits, les grands, vont réfléchir, chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Tout ça, ça les habitue à la liberté, à la réflexion, à la question. Et aussi aider les pauvres. C'est très important. Rabbi avait lancé une grande campagne. Que tous les êtres humains, pas seulement les juifs, mais tous les êtres humains, dans toutes les écoles, sur tous les postes de travail, dans les bureaux, dans les usines, et chez soi, bien sûr, il y ait une boîte pour les pauvres, pour s'habituer à donner. Parce que quand on donne aux hommes, ça rapproche de Dieu. Alors, il y a des gens qui croient que le message du peuple juif, il est réservé aux juifs, mais c'est une grande erreur. Les boîtes de donner, elles sont pour l'humanité entière, c'est pour toute l'humanité. Et puisque le thème de ce soir, c'est la sécurité, le rallye à la sécurité d'Israël, ben, ce n'est pas seulement la sécurité d'Israël, c'est la sécurité du monde entier. Lorsque les habitants de Gaza, les habitants de la Judée-Samarie, tous les habitants du monde, les Chinois, les Américains, les Russes, vont prendre cette minute de silence tous les matins, et chacun va réfléchir depuis son enfance, comment je peux faire pour devenir un meilleur être humain. Et les enfants vont demander aux parents qui sont petits, papa, maman, à quoi je dois penser tous les matins pendant une minute pour devenir un meilleur être humain? Et les parents, ils vont dire aux enfants, quand ils sont petits, quand ils sont grands, c'est un problème d'eux-mêmes. Et aussi, on enseigne les sept croix de Noé, les principes universels. Je vous ai dit, pas remplacer Dieu par une idole, respecter Dieu, pas tuer, pas voler, pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, pas faire souffrir les animaux, instaurer la justice, aider les autres, avoir une peur pour les pauvres. Quand tout le monde va respecter ça, et bien vous savez, on sera tous en sécurité. On sera tous en sécurité. Tout dépend de l'éducation. Tout dépend de l'éducation. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le rabbi, la sécurité d'Israël. Bah, écoutez, écoutez, pour essayer de faire court. Bah écoutez, c'est très simple. Le rabbi, vous savez, c'était pas seulement un rabbin, c'était un grand prophète. Bah, dans la Bible, il y a des histoires de prophètes, vous voyez. C'était des gens qui avaient un contact avec Dieu. Dieu leur parlait. Et ils pouvaient conseiller pour les êtres humains. Quand les peuples écoutaient les prophètes, quand le peuple juif écoutait les prophètes, Moïse, Josué, tous les prophètes qu'il y a eu, Jérémie, Isaïe, Ishayahu, Yerbiyahou, etc. Quand les Juifs écoutaient les prophètes, mais les prophètes, ils prophétisaient pas seulement pour les Juifs, ils prophétisaient pour le monde entier. Le prophète Jonas, vous avez entendu parler du prophète Jonas. Dieu lui avait demandé d'aller prophétiser pour la plus grande ville d'Asie à l'époque, c'était la ville de Ninive. Aujourd'hui, c'est on ne sait pas exactement où c'est aujourd'hui, parce que c'était il y a 4000 ans, c'est entre Bagdad et Damas, dans ce coin-là, à côté du Liban. Entre le Liban, la Syrie, l'Irak,
Dieu lui a ordonné de prophétiser à cette ville. Il y avait des millions d'habitants, c'est la plus grande ville du monde. Et le roi du pays, le roi de Ninive, va écouter sa prophétie. Au début, il ne voulait pas. Et la Bible raconte qu'il s'est sauvé pour pas, parce qu'il ne voulait pas parler, il voulait pas prophétiser. Et il a été englouti par une baleine. Quand il était dans le ventre de la baleine, il a passé 3 jours et 3 nuits. Et bien finalement, il a demandé à Dieu pardon, il a dit bon, d'accord, vous allez leur parler. Et la baleine a recraché. Et il a été parlé au roi de Ninive, et le roi de Ninive a pris la chose au sérieux, et tout son peuple a décidé de demander pardon pour sa mauvaise conduite. Et voilà, comme ça, le monde a progressé. Alors, à notre époque, grâce à Dieu, on a eu une chance incroyable. Dans ce monde scientifique, ce monde moderne, Dieu nous a envoyé un prophète, un homme qui avait un contact avec Dieu, par la bouche duquel Dieu parlait, comme Moïse, comme les prophètes de l'ancien temps, mais avec une dimension encore plus grande. Une dimension encore plus grande, parce que vous savez que tous les peuples du monde, dans toutes les religions, croient qu'un jour, il y aura le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura le Messie? C'est-à-dire que finalement, malgré tous les défauts qu'on a, eh bien, le monde va s'améliorer. Le monde va s'améliorer sur tous les plans. Sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan économique, et aussi sur le plan moral, sur le plan humain, sur le plan spirituel. Et finalement, viendra un temps où tous les peuples du monde s'entendront, il y aura la paix universelle. Et tout ce progrès va se cristalliser sur un homme qui sera le Messie. Les musulmans l'appellent le Mehdi, les chrétiens ils disent que c'est Jésus, et nous on l'appelle le Messie, c'est tout. Messie ça veut dire loin, celui sur lequel Dieu a versé l'huile sainte. Mais en vérité, peu importe son nom, mais le rabbi, notre rabbi, il avait un tel pouvoir de prophétie, de prédire l'avenir, de guérir les malades, je pense qu'il était le Messie. Bon. Maintenant, vous savez que dans le cours religieux, on a le droit de chercher à convertir les autres. D'accord? Parce que normalement, vous savez que si on cherche à convertir les gens, finalement, on va devenir intolérant. Donc, ils avaient vraiment, c'était vraiment le prophète aussi. Ils avaient compris les problèmes de l'avenir. Mais néanmoins, les principes universels sont pour tout le monde. Alors, maintenant, le rabbi pour la sécurité d'Israël, mais vous savez, la sécurité d'Israël, elle concerne la sécurité du monde entier. Elle concerne la sécurité du monde entier. Parce que lorsqu'il y a eu la révolution islamique en Iran, c'était un peu plus de 40 ans, c'était en 1979. Le rabbi a demandé que, contrairement à la coutume, tous les juifs du monde, et s'il le voulait aussi les non-juifs, observent une demi-journée de jeûne, en signe d'alarme. En signe d'alarme, quand il y a eu cette révolution islamique en Iran. Et le rabbi a dit, pourquoi je demande une demi-journée de jeûne, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va faire tel. La base du judaïsme est la base, d'ailleurs, normalement, de toute religion, de toute spiritualité. C'est la joie, pour se rapprocher de Dieu, il faut être joyeux. Eh bien, pourquoi le rabbi, contrairement à cette maxime, qu'il faut toujours évoluer, il a demandé que les une demi-journée de jeûne. Il a dit parce que de cette révolution islamique, le mal de cette révolution islamique, ils avaient pris en otage tous les membres de l'ambassade des États-Unis. Maintenant, toutes les ambassades sont respectées, tout le personnel des ambassades. Et ils avaient pris en otage pendant plusieurs mois. Et leur avis a dit du mal de cette révolution islamique, il ne faut pas naître un djihad, une espèce de guerre sainte universelle qui va menacer tous les pays voisins, qui va se répandre dans tous les pays voisins, qui va menacer l'Europe, qui menacera finalement toute la civilisation occidentale. Et malheureusement, ça s'est réalisé. Malheureusement, ça s'est réalisé. Et on est tous menacés aujourd'hui par cette révolution islamique qui menace le monde. Et voilà, il y a des professeurs qui se font tuer dans les écoles. Il y a des gens qui se font assassiner. On a vu des écoles assassinées en France. Évidemment, en Israël, on a encore plus qu'ailleurs, malheureusement. Mais en même temps, puisque le sujet de cette conférence, c'est le rabbi et la sécurité en Israël. Non, enfin, je voudrais qu'on nous voit que la sécurité en Israël, c'est la sécurité du monde entier. On peut avoir la paix en Israël, on va la paix dans le monde entier. Eh bien, le rabbi vous avait prié de ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait la paix en Israël et surtout dans le monde entier. Alors, il avait dit, c'est très simple. C'est très simple. Vous savez, la Bible, elle commence par un récit, par une histoire. L'histoire de la création du monde. Aujourd'hui,
beaucoup de cerveaux, de grands scientifiques qui réfléchissent sur la création du monde, comment le monde a été créé. On les appelle les astrophysiciens, l'astrophysique. Il y a aussi les géologues, il y a les proto-historiens, il y a les grands physiciens. Mais la science, c'est surtout l'astrophysique. Et alors, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'il y avait avant que le monde existe? Qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Les savants, aujourd'hui, réfléchissent, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Avant le temps, il y avait autre chose, mais il n'y avait quoi? Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'espace non plus. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, nous, on savait ce qu'il y avait, il y avait Dieu, bien sûr. Alors, vous savez, un jour, il y avait le rabbi, il faisait une prise de sang. Alors, le rabbi a demandé à l'infirmière, qu'est-ce qui fait rentrer le sang dans l'ampoule? Qu'est-ce qui fait rentrer le sang dans l'ampoule? Est-ce que c'est la pression du sang, le sang à l'intérieur de l'ampoule, ou au contraire, est-ce que c'est le vide de l'ampoule qui attire le sang? Eh bien, le docteur a répondu, c'est le vide de l'ampoule qui attire le sang. Alors, le rabbi lui a répondu, eh bien, vous savez quoi? Dans la Torah, c'est la même chose. Lorsque Dieu a créé le monde, la lumière de Dieu remplissait tout. Comme la lumière de Dieu remplissait tout, il n'y avait pas de place pour créer le monde. Donc, qu'est-ce que Dieu a été, entre guillemets, obligé de faire? Il a enlevé toute sa lumière de l'espace de l'existence, et il y a eu le vide qui est apparu. Et dans ce vide qui est apparu, il y a eu une place pour créer le monde. Alors donc, la Bible, la Torah, tous les peuples du monde croient dans la Bible. La religion chrétienne est basée sur la Bible. L'islam est basé sur la Bible. La loi du Coran, Mohamed a appris toutes les idées du Coran dans la Bible. Ils avaient appris par les prêtres, par les rabbins qui avaient l'Arabie à l'époque. La Bible commence par le récit de la création du monde. Alors, il y a, au Moyen-Âge, dans le XIe siècle, il y avait un très grand rabbin en France. Il vivait à 300 km de Paris, du côté de Troyes. Et il a écrit un grand commentaire de la Bible. C'est le plus grand commentateur de la Bible. D'ailleurs, toutes les Bibles hébraïques sont éditées quasiment avec son commentaire. Il commence par poser une question. Il dit, mais la Bible, c'est un livre d'enseignement, c'est un livre de morale, de spiritualité, pour apprendre aux gens comment ils doivent se conduire. C'est une grande morale, de spiritualité, c'est un livre d'enseignement. Pourquoi la Bible commence par une histoire scientifique, l'histoire de la création du monde? Quel rapport? Elle aurait dû commencer par la première loi, le premier enseignement. Par exemple, on leur conduirait ta mère, etc., etc. Et Rashi, ce grand commentateur qui vivait au Moyen-Âge, au XIe siècle, il répond, c'est en prévision du jour où le monde va vous insulter. Le monde va nous traiter de voleurs. Il va venir dire aux Juifs, vous avez volé une terre qui n'est pas la vôtre. Ce jour-là, la seule réponse qu'il faudra donner, et la seule réponse qui sera acceptée, c'est de dire, voilà, ouvrez ce livre. Ouvrez ce livre. Qu'il y a 1,5 milliard de chrétiens aujourd'hui, 1,5 milliard de musulmans, le président des États-Unis jure sur la Bible, qui sont tous basés sur ce qu'il y a écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible? Il y a écrit que Dieu a créé le monde. Ce monde, il n'est pas mis par hasard. Il y a un Dieu qui l'a créé, et qui d'ailleurs le recrée sans arrêt, du néant à l'être, à chaque instant. Nous, on avait écrit pas pour tout, Dieu le recrée sans arrêt à chaque instant. Dieu avait décidé de vous donner la terre sainte, la terre d'Israël, à vous. Il vous en a jugé indigne. Il nous l'a donné à nous, au peuple juif. On a une toute petite terre. Une toute petite terre, vous savez ce que c'est la terre d'Israël? Elle fait environ 3 départements français. Il y a combien de départements en France? Il y en a 91 ou plus que 91, il y en a une centaine. La terre d'Israël, ce qu'on appelle le Grand Israël, c'est 3 départements français. Et ce commentaire de Rashi, vous savez, Rashi l'avait vécu à l'époque des croisades, où il a vu toutes les communautés juives de l'Est de la France, de la vallée du Rhin, d'Allemagne, se faire massacrer par les croisés qui partaient soi-disant libérer le tombeau du Christ et les sites religieux chrétiens, qui massacraient tous les juifs sur leur chemin. Eh bien, Rashi, il savait que lorsqu'on vient de demander au peuple juif, vous êtes des voleurs, vous êtes volé une terre qui n'est pas la vôtre. Il savait ce qu'il y avait derrière et c'est la seule réponse qui sera acceptée. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, puisque le sujet de ce soir, c'est le rabbi et la sécurité de l'Israël, le rabbi vous a donné tous les enseignements
que Israël vit en sécurité, pas seulement Israël, mais tous les peuples du monde vivent en sécurité. D'abord, enseigner ces 7 lois de Noé. Habituer tous les écrivains à se remettre en question, à réfléchir au moins 1 minute tous les matins, enfin, ce qui est encore fait, pas le soir quand on est épuisé, quand il est encore prêt. Comment je peux faire pour devenir un meilleur écrivain? Moi, je suis certain que si tous ces ramasses, tous ces bandes de ramasses, voilà, qui ont fait toutes ces atrocités, depuis qu'ils sont enfants, au lieu de leur enseigner la haine des autres hommes, la haine des Juifs, la haine des Américains, la haine des Français, etc., la haine des musulmans qui ne sont pas assez religieux pour eux, parce qu'ils ont la haine de, pas seulement des Juifs, de plein de gens, on leur a dû enseigner à réfléchir tous les matins au but. Réfléchir et décider à toi, comment tu peux devenir un meilleur étudiant tous les matins, essayer de t'améliorer. Il est certain qu'ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. C'est certain. Voilà. Ou alors, qu'ils s'étaient habitués tous les matins à avoir une boîte chez eux, ou même pour le coup, Vous savez, un geste, quelquefois, ça touche plus que les idées. Enfin, voilà. Mis à part ça, sur un coup, la sécurité simple, Rabbi a vécu en vertu, comme c'était un prophète qui voyait l'avenir, puisque Dieu disait l'avenir. Il avait averti le gouvernement israélien plein de fois ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Plein de fois. D'abord, vous savez, malheureusement, il y avait eu cette malheureuse guerre de 6 jours en 1967. En 1967, il y avait une guerre de 6 jours. Tous les pays arabes voisins d'Israël n'arrêtaient pas de dire qu'ils allaient déclencher la guerre sainte, qu'ils allaient égorger tous les juifs pour les parts survivantes, qu'ils jetaient des survivants sur la veille, qu'ils jetaient à la mer. Alors finalement, ils feraient gagner cette guerre de 6 jours par un véritable miracle. Mais dès qu'ils ont gagné la guerre de 6 jours, et ils ont repris ce qu'on appelle la Judée, la Samarie, ce qu'on appelle la Cisjordanie, et le désert du Sinaï et le Golan, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire de tout ce territoire. Ils ont envoyé un député par l'ONU pour proposer de rendre tout contre l'accord de paix. Mais les pays voisins, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, n'ont pas accepté. Et le rabbi a dit, mais si vous voulez rendre ces territoires que Dieu vous a donnés, alors que Dieu a promis dans la Bible, dans la Torah, qu'un jour il nous rendra à la terre d'Israël, c'est une petite terre, 50 km de large, mais Dieu a promis qu'il nous la rendra. Et ce cadeau que Dieu vous a fait, vous voulez vous en débarrasser, le rendre tout de suite, ça ne portera pas la paix, c'est contraire. Pour les ennemis, malheureusement, c'est une preuve de faiblesse. Enfin, et la suite a été comme ça. C'est difficile pour moi de vous rappeler toutes les erreurs que ce gouvernement d'Israël a fait, qui n'a pas écouté le rabbi. C'est difficile de tout vous rappeler. Parce qu'il y a eu plein, plein d'erreurs. Aujourd'hui, l'État d'Israël est attaqué au nord par un mouvement terroriste qui s'appelle le Hezbollah. Il est attaqué au sud par un autre mouvement terroriste qu'on appelle le Hamas. Mais en vérité, il y a 20 ans, Israël occupait la bande de Gaza, il contrôlait la bande de Gaza. Ça nous embêtait de contrôler la bande de Gaza. C'est difficile, de faire la police, les soldats, quelquefois, les enfants leur jeter des pierres, c'est désagréable. Il n'y avait jamais d'attentats en Israël. Et les gens de Gaza, ils ne souffraient pas. Ils allaient travailler en Israël, qui était un pays déjà beaucoup plus développé que chez eux, et au revenu le soir, ils gagnaient de l'argent. Il y avait des petits incidents, ils jetaient des pierres, soldats, quelquefois, comme tout le monde, leur jeter des gaz lacrymogènes, des choses comme ça. Il n'y avait pas de mort, pas de problème. Et malheureusement, il avait averti le gouvernement d'Israël, surtout ne quittez jamais la zone de Gaza. Ne quittez jamais Gaza. Parce que si vous quittez Gaza, vous avez tout compte à contrôler, c'est les terroristes qui vont prendre le pouvoir. Et malheureusement, bien que les Shkourim, les messagers du Rabbi, on a parlé avec le chef de l'État d'Israël, le premier ministre à l'époque, qui s'appelait Ariel Sharon, sa mémoire, il avait quand même fait beaucoup de bien avant de faire cette erreur tragique. Il a ordonné à l'armée israélienne de quitter Gaza. Et c'était une erreur tragique. Dès qu'il a quitté Gaza, les terroristes, ils ont dit à la population, vous savez pourquoi les Juifs sont partis? Pourquoi les Israéliens sont partis? Il n'y a pas d'Israéliens qui sont Juifs. Ils sont partis parce qu'on a fait des attentats suicides. Et grâce à nos attentats suicides, grâce à notre terrorisme, on les a obligés à partir, c'est des lâches.
Et comme ils contrôlent tous les journaux, tous les médias, la population en est au courant. Et voilà, ils n'ont plus le pouvoir à Gaza. Et depuis, ils ont été obligés de faire cinq guerres. C'est la cinquième guerre qu'on fait contre eux. Israël a reçu des milliers de requêtes. Si on avait écouté la radio, on n'aurait jamais dit Gaza, on n'aurait jamais eu. Voilà. Et en vérité, moi je me souviens que quand Israël a quitté Gaza, l'armée israélienne a quitté Gaza, il y avait des gens, des gros journalistes, qui ont dit, regardez, Gaza, c'est un tout petit territoire. C'est comme Singapour. Ils vont faire comme Singapour, ils vont devenir une grande place financière internationale qui va vendre des ordinateurs dans le monde entier. Mais malheureusement, ils n'ont pas cette mentalité. Leur seule mentalité, c'est de vouloir détruire Israël. Bon, toujours plus connu. Mais la même chose au sud du Liban. Au sud du Liban, il y avait un mouvement terroriste aussi qui s'envoyait sans arrêt envoyer des roquettes sur Israël, qui faisait des attentats en Israël, et des peuples juifs dans le monde entier. Ils étaient tous basés au sud du Liban. Et en 1982, Israël a occupé le sud du Liban et a réussi à chasser les terroristes. Mais ensuite, on a rendu tout le sud du Liban. On a désobéi au rabbi qui avait dit il ne faut pas quitter le sud du Liban, il faut continuer à le contrôler, sinon les terroristes vont venir et ils vont être encore plus dangereux qu'avant. Parce que le fait que vous êtes partis, ça va être pour eux un signe de faiblesse, que vous avez peur, que vous êtes des lâches. Ça va les pousser à aller encore plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, vous savez quoi? On a désobéi au rabbi. On a désobéi au rabbi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous, les racines du rabbi, les racines de la vie, on savait que ce serait une tragédie de Gaza. On savait que c'était une tragédie de Gaza. On a essayé de convaincre le gouvernement israélien, on n'a pas réussi. Je pense qu'il faut aussi te remettre en question. On n'a pas su trouver les mots. On n'a pas été assez convaincant. C'est-à-dire quand ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Voilà, comme ça. Moi-même, une fois, j'ai rencontré Bibi et Daniel et Harry Sharon, j'ai leur parlé, mais je n'aurais pas dit les mots qu'il fallait vraiment. Et tous les chauffeurs qu'on avait là-bas, tous les rabbins se sont rencontrés, on n'a jamais non plus trouvé les mots qu'il fallait pour le convaincre. Bon, je ne sais pas si on aurait réussi, mais quand même, il fallait faire ce qu'il fallait faire. En tout cas, chers amis, il ne faut pas désespérer. Il ne faut surtout pas désespérer. Comme l'a dit le Rav Tartel tout à l'heure, le premier des commandements de la Torah, c'est soit éloigné. Et voilà, comme l'a dit tout à l'heure à Cartel, dans toute situation, pense bien, ça sera bien. Vous savez, c'est pas vu d'histoire qui est racontée dans la Torah, qui est racontée dans la Bible. Moïse, c'était le prince héritier d'Égypte. La fille du pharaon l'avait recueilli, l'avait adopté quand il était enfant, quand il était bébé, tout le monde connaît l'histoire. Le pharaon avait ordonné de jeter tous les bébés juifs à l'époque dans le Nil. Et lui, ses parents l'avaient caché. Ses parents l'avaient. Il marche toujours du coup, là. Il marche plus, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi il marche plus, mec? Là-bas. Ah, c'est là-bas. Bon, allez, je parle plus fort. Comment? Alors, ses parents avaient caché Moïse dans un petit berceau. Et la fille du pharaon qui allait se baigner dans le Nil, elle l'a adopté, elle l'a recueilli. Elle a fait croire que c'était son enfant naturel. Le pharaon a dit d'accord, il croyait que Moïse était son petit-fils. Mais quand Moïse a grandi, il s'est dit, il est super intelligent, Moïse, il est plus intelligent que mon propre fils. J'aimerais bien qu'il soit pharaon dans ma place. Mais comme Moïse était une grande âme, il se sentait solidaire des esclaves. Et il allait visiter les esclaves la nuit. Un jour, il a vu un tortionnaire égyptien qui frappait à mort un esclave juif. Il a tué le tortionnaire égyptien, il l'a caché dans le sable. Et il a dit aux Juifs, ne me dénoncez pas, ne dites pas ne dites à personne ce que j'ai fait. Sinon le pharaon il va vouloir me tuer. Et le lendemain, il rencontre deux Juifs dans le ghetto. Et ces deux Juifs, ils se disputent, ils se bagarrent, Moïse leur fait la morale. Ils se retournent contre lui, ils lui disent, pour qui tu te prends toi? Si tu continues à nous embêter, on va te dénoncer au pharaon. Alors il a écrit que Moïse a eu peur. Il a eu peur. Il a dit, oulala, la chose est connue. Et ensuite il a écrit, le pharaon a entendu, parce qu'il avait été dénoncé par ces deux juifs. Le pharaon a entendu, il a décidé de tuer Moïse. Et Moïse a été obligé de se sauver, etc. etc. Mais le rabbi pose la question, mais pourquoi la Torah éprouve-t-elle le besoin de dire que Moïse a eu peur? Pas bien de dire qu'il a eu peur. C'est un guerrier, Moïse. C'est un saint, c'est un prophète.
Pourquoi on dit qu'il a eu peur? C'est pour nous faire comprendre que si Moïse n'avait pas eu peur, l'idée de le tuer, de tuer Moïse, ne serait même pas rentrée dans la tête du Pharaon. Qu'est-ce qu'il a entendu, le Pharaon? Il a entendu à distance, il a senti la peur de Moïse, que Moïse avait peur. En vérité, Moïse n'avait pas peur pour lui seulement, il avait peur pour le peuple juif. Parce qu'il voyait que deux juifs étaient capables de le dénoncer au Pharaon. Il a dit, moi je suis un prince d'Égypte, je risque ma vie pour eux. Tous les soirs je vais dans le ghetto pour les aider. Au lieu de me remercier, ils me menacent de me dénoncer. Mais ils sont pires que les autres peuples, ces juifs. Ils mériteront jamais, Dieu les libérera jamais. Ils sont trop impurs, ils sont trop mauvais. Il a eu peur pour le peuple juif. Mais là, la réponse du rabbi, c'est que même ça, il ne devait pas avoir peur. Il devait avoir confiance en Dieu, que Dieu sauverait les juifs, même s'ils avaient des défauts. Mais ça, c'est valable pour tous les êtres humains. On doit toujours faire confiance en Dieu. Voilà, tout à l'heure, le Rav Tartel, il a parlé de cette femme qui était restée coincée pendant 8 heures, dans son abri, dans sa maison, avec les terroristes qui tapaient aux portes, qui tiraient partout autour d'elle. Elle avait juste un petit livre de prière blotti contre son cœur. Et elle a dit, je te fais confiance, Dieu, je t'aime, je sais que tu me sauveras. Elle a été sauvée. Même maintenant, avec tout ce qui s'est passé, notre plus grand argument pour sauver tous nos frères en Eretz Israël, et finalement, on ne sauve pas seulement nos frères, même les Arabes, les habitants de Gaza, les habitants de Liban, c'est pas bien pour eux, c'est pas bien pour eux ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, si on était resté à Gaza, il y avait 100 000 habitants de Gaza qui allaient travailler tous les jours en Israël, qui revenaient chez le soir, qui étaient contents. Les gens menaient une vie normale, tout était à peu près normal. Mais depuis qu'on a quitté Gaza, c'est la catastrophe. Est-ce que ça fait plaisir à nous les Juifs? On a appris à tous les hommes, au monde entier, que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, qu'ils soient chinois, arabes ou allemands ou français ou n'importe quoi. Et on est obligé de faire des guerres, on en tue des millions, tout ça parce qu'on n'a pas écouté le rabbi. Bon, alors voilà, malgré tout, il faut être joyeux. Il faut être sûr que Dieu nous aidera. Il faut être sûr d'ailleurs que malheureusement, c'est comme les Français, les Anglais, les Américains, les Russes pendant la guerre 39-45, ils étaient obligés de se battre contre l'Allemagne. On était obligés. Alors évidemment, à la fin de la guerre, on voit Berlin est en ruine. Et on voit un enfant, un petit enfant, qui est là tout seul avec des pierres. Il n'a que des pierres à jeter contre les tanks. Alors tout le monde regarde la télé et dit « Ah, mais c'est les Américains, c'est Russes, c'est Français, c'est Anglais, c'est des lâches, c'est des traîtres, ils sont méchants, ils ont détruit tout Berlin. Et maintenant, regardez ce pauvre enfant qui n'a que des pierres. » Ben oui, c'est le dernier soldat allemand qui reste. Mais on était obligés de faire la guerre contre les Allemands. Sinon, ils auraient exterminé le monde entier, ils auraient mis le monde entier en esclavage. Tout le monde le sait. Ils auraient exterminé la moitié du monde et mis l'autre moitié en esclavage. C'était leur programme clair et net. Ils avaient commencé à l'accomplir. On est obligé de faire la guerre à Gaza. Malheureusement, on est obligé. On dit que les soldats israéliens, ils tirent avec les larmes aux yeux. Mais on est obligé que Dieu leur donne la force d'aller jusqu'au bout, de reprendre le contrôle de Gaza et de proclamer au monde entier que c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il y aura la paix. Et que l'État d'Israël, qui est le pays béni par Dieu, il doit apporter le bonheur à tous ses voisins. Les Libanais, les Syriens, les Jordaniens, les Irakiens, les Égyptiens, 50 pays arabo-musulmans dans le monde et le monde entier. C'est seulement quand le chef du gouvernement israélien aura le courage de dire c'est Dieu qui nous a donné cette terre. C'est pour ça qu'elle est à nous et on n'a pas le droit de rendre un seul centimètre. Parce que les Arabes, leur culture, c'est que c'est une culture religieuse. C'est très difficile pour les Occidentaux, les Français, les Américains, les Anglais de comprendre ça. Parce qu'ici, on a une culture laïque, rationnelle, scientifique. Mais le monde arabe, il n'est pas dans cette culture scientifique et rationnelle, il est dans une culture religieuse. Moi, une fois, j'ai pris un avion d'Égyptaire pour aller aux États-Unis, et ben, le steward, le commandant, quand il annonce le plan de vol, il dit « Nous allons décoller dans quelques instants pour l'Amérique, où nous arriverons à 5 heures de l'après-midi, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. » Leur identité, elle est religieuse. Comme me l'a dit un jour un grand islamologue, un grand spécialiste de l'islam, un Américain pas croyant, hein, il m'a dit « Mais c'est vrai, si vous parlez aux Arabes de droit historique, on était là déjà il y a 4000 ans, avant vous. Mais pour eux, ça ne veut rien dire. Vous leur parlez de démocratie, de droit de l'homme, mais ça ne veut rien dire. Vous leur parlez de Dieu, alors là, ils respectent. Là, ils respectent. Là, ils respectent. Vous savez, quand Ben Gurion a proclamé la naissance de l'État d'Israël en 1948, comme la majorité des députés sionistes à l'époque, les Juifs d'Eretz Israël, ils n'étaient pas vraiment religieux. Ils voulaient créer un État laïque où le nom de Dieu ne serait pas mentionné. Mais finalement, ils étaient obligés de le mentionner quand même, parce que le Premier ministre jure sur la Bible. Ils ont dit, on va l'appeler le rocher d'Israël. Ils ont dit,
Nous proclamons la naissance de l'État d'Israël en présence du rocher d'Israël. Pour ne pas mentionner le nom de Dieu, pour avoir l'air laïque. Et en vérité, on explique dans la chassidoute, dans le sens profond de la Torah, qu'il y a un niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom. Un de ces niveaux de Dieu qui est trop haut pour porter un nom, parce qu'il est complètement infini, on ne peut pas le définir, on ne peut lui donner aucun nom, c'est quand on l'appelle le rocher, le tsour. C'est encore plus haut que le nom de Dieu. Donc sans le savoir, le Ram se mettait en contact avec le niveau qui est plus haut que le chef du Tevaché. Bon, mais vous savez quoi? En 1977, il y a le président égyptien, Anwar el Sadat, il est venu pour proposer la paix avec l'Égypte. D'accord? En échange qu'on lui rende le Sinaï. Israël avait été obligé de conquérir le Sinaï dans une guerre précédente, malheureusement. Et alors, il est arrivé à la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne, il a commencé son discours en disant « Tous les peuples du monde vénèrent Dieu. Tous les peuples louent Dieu, tous les peuples croient en Dieu, tous les peuples respectent Dieu. Et tous respectent le Dieu de la paix, qui veut la paix. » Et alors les laïcs, le gouvernement israélien, les députés, ils étaient là, ils étaient obligés d'applaudir. Bon, mais c'était marrant comme scène. Hein. Ceux qui connaissaient la situation, mais rien, c'était amusant. Mais en tout cas, chers amis, il faut être confiant, il faut être conscient, parce qu'on a tous une étincelle, une petite fiole d'huile à l'intérieur de nous. Une petite fiole d'huile à l'intérieur de nous. Et vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. J'étais très jeune, j'étais très gamin, en 1967, quand il y a eu la guerre des six jours. La guerre des six jours, il y avait le président égyptien Nasser qui disait « Nous allons exterminer les Juifs, on va tous les jeter à la mer. » Le président syrien, irakien, disait la même chose, et les Jordaniens aussi. Et alors, à l'époque, il y avait des casques bleus qui empêchaient les terroristes de rentrer de Gaza, qui à l'époque étaient égyptiens, dans Israël. Et il y avait aussi une interdiction de l'ONU qu'aucune arme ne devait rentrer dans le désert du Sinaï. Et puis, il y avait aussi un troisième règlement, c'est que les bateaux israéliens pouvaient naviguer librement dans le golfe d'Eilat et apporter le pétrole à Eilat. À l'époque, Eilat recevait du pétrole par Israël, recevait du pétrole par Eilat. Et le président Nasser, il a dit, je vais chasser les casques bleus, je vais remédier le Sinaï et je vais bloquer, déclarer le blocus du golfe d'Eilat, le golfe d'Aqaba. Que j'ai entendu. Vous savez, les amis jeunes, quelquefois, ils ont des intuitions. Un jeune de 15 ans, quelquefois, ils comprennent mieux que le président de la République. C'est comme ça, les jeunes ont une intuition. Alors, c'est écrit que la prophétie n'existe que chez les fous et les enfants. Alors, le jeune, il ne le fera jamais, il n'a jamais bloqué le vol d'Aqaba. S'il le fait, il serait dans 3 jours, il serait écrasé dans 3 jours. Papa, il l'a fait. Quand il l'a fait, et effectivement, ça n'a pas pris 3 jours. 3 semaines après, Israël a attaqué, il a perdu la guerre. Bon, ok. Mais vous savez quoi? En 2000, il y a eu les négociations entre le chef d'État israélien, de la gauche israélienne à l'époque, c'était Ehud Barak, qui avait succédé à Yitzhak Rabin, et Yasser Arafat, qui était le chef du Palestinien. Israël acceptait de rendre tous les territoires qu'on avait conquis en 1967 par l'Iran ici. Parce qu'il y a une guerre de défense. Il voulait vous exterminer. Vous savez, moi j'ai vu les mémoires de Oshedayan, qui était le général qui a gagné la guerre ici en 1967. Oshedayan, il raconte, je pense qu'il discute avec une chef d'une tribu à Hébron, Hébron, en Judée-Samarie, en Cisjordanie. Il parle avec eux, il leur dit voilà comment maintenant que l'armée israélienne va administrer toute la région. Maintenant vous êtes sous notre autorité. Je dis, je parle avec eux, et je sais très bien que si c'était eux qui avaient gagné la guerre, il n'y aurait pas eu de discussion, de participation. Eux, ils savent très bien que je le sais. Mais c'est les règles. C'est les règles qu'Israël s'impose. Et en 2000, finalement, le gouvernement israélien, c'est un gouvernement de gauche, il n'avait pas cette croyance dans la Bible, que c'est Dieu qui va donner cette terre. Ils ont cette croyance, mais vous savez, Il y a la croyance superficielle et la croyance profonde, la croyance interne profonde. On dit dans le Talmud, le voleur, avant de voler, il prie Dieu, que Dieu le protège. On lui dit, mais si tu crois en Dieu, pourquoi tu voles? Tu vas faire du voler, tu sais bien. Mais parce qu'il croit en Dieu, mais c'est une foi qui plane toute sa tête. Donc les éléments de classe, ils ne vont même pas, ils vont dire ça plane au-dessus de lui. Alors, la même chose, de toute façon, le grand enseignant de gauche, tous les Israéliens, tous les Juifs,
Ils savent bien que c'est Dieu qui nous donne cette terre, et même tous les êtres humains du monde le savent. Mais ça plane au-dessus de ces croyances superficielles qui planent au-dessus. Une fois que la foi, la croyance en Dieu, elle est intériorisée au fond de soi-même, ne serait-ce que parce qu'on est réfléchi du mieux tous les matins depuis son enfance, à ce moment-là, on ne peut plus beau, on ne peut plus faire de mal. Et on ne peut plus non plus rendre la terre à des terroristes, à des ennemis. Et alors, en l'an 2000, le gouvernement de gauche israélien, laïque, il a proposé de rendre tous les territoires et de partager Jérusalem avec les Palestiniens, et de rendre tout Gaza, et de rendre Yehuda Jordan, la Judée Samarie, etc. Vraiment rendre le Golan, malheureusement. Et puis, forcément, le chef des Palestiniens a refusé. Il a dit, je ne veux pas la moitié de Jérusalem, je veux tout. Je veux tout. Alors, la vice-présidente américaine Clinton m'a dit, bon, mais quand même, regardez, il y a le mont du Temple. En haut, il y a les mosquées, en dessous, il y a les ruines du Temple de Jérusalem, du Temple de Salomon. Au moins, même si la surface à laquelle les mosquées s'arrêtent aux Arabes, aux musulmans, les ruines du Temple, elles sont en dessous. Mais les siens juifs, il a répondu, le Temple de Salomon, le Temple des Juifs, n'a jamais existé. Alors, vous savez quoi? Quand j'ai entendu que, et à ce moment-là, les Israéliens, même s'ils étaient laïcs, ils ont dit, si vous reniez l'existence du Temple de Jérusalem, dit qu'il n'a jamais existé, c'est-à-dire que vous reniez nos racines dans ces livres. Vous reniez l'histoire de nos racines dans ces livres. Vous reniez notre droit à exister sur cette terre. Et ils ont rompu les négociations. Moi, je m'étais dit, mais je suis capable d'avoir laissé prendre le gros sur la tête, n'importe quoi, je me disais, ça chanait dans la poche, ils dansent autour du mot paix, quand vous trouvez un mot d'or. Mais finalement, ils étaient dans cette discipline. C'était un sujet très ambitionniste. Ça s'est dévoilant. Et quand j'ai entendu la radio, il a refusé le partage de ce qu'on appelle la Palestine. Il a refusé le partage. Il a refusé le partage de Jérusalem. Il a dit, je veux tout ou rien. Je me suis dit, ça, ça veut dire quelque chose. On avait 15 ans, quand c'est la logique, je me suis dit, certainement, c'est écrit dans la Torah que le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Regardez, Saddam Hussein, en 1990, il a envahi le petit Koweït. Le petit, il faut savoir que l'Israël, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient qui en trouve comme une dictature sans vente. D'accord? C'est comme ça. Saddam Hussein, il avait fait une révolution iranienne, alors il a voulu en profiter, il a dit on va désorganiser, on va la mettre, on le prend sur l'école. Il n'a pas réussi à prendre la gaz et à faire donner 6 ou 7 ans, avec une centaine de milliers de morts. Comme il n'a pas réussi à vaincre l'Iran, il s'est rejeté sur un petit Koweït, il s'est passé 3 mois. Mais quand l'armée irakienne a envahi le Koweït, tous les peuples du monde ont réagi. Il y a eu 37 pays, en fait, duquel les États-Unis, mais il y avait aussi la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Arabie Saoudite, qui ont conclu que si on n'arrivait pas, il allait prendre tout le pétrole du Moyen-Orient et pouvoir faire changer le monde entier. Alors on l'a dit, où il évacue le Koweït, on l'attaque. Elle a dit non, je n'évacuerai pas le Koweït, même si vous m'attaquez. Il y a 37 pays qui vont attaquer, notamment les États-Unis. Israël ne faisait pas partie des pays qui allaient l'attaquer. Il a dit, même si Israël ne fait pas partie de la coalition des 37 pays qui l'attaquent, mes premiers missiles, mes premiers fusées, elles tireront sur Israël. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas. C'est comme ça. Je veux montrer que c'est moi le champion du monde. Il y a 37 pays qui vont attaquer, en tête desquels les États-Unis. Regarde ton pays, il y a plein de pétrole, tu es un grand dictateur, tout le monde tremble devant toi dans ton pays. Qu'est-ce que tu as fait dans le monde? À quoi ça te sert? Et Dieu l'a rendu fou. Dieu l'a rendu fou, comment c'est? Et il a perdu la guerre, il a décidé de se cacher, finalement, il a décidé de se cacher. Moi, je vous dis ça, Jordanie. Je dis ça, Jordanie, pour vous dire une chose. On peut aider Israël. On peut aider Israël. En transmettant autour de nous ces 7 principes universels, les lois de Dieu. Apprendre à tout le monde autour de nous que c'est interdit de tuer un être humain. Parce que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Évidemment, si quelqu'un vient en face de vous avec un revolver et vous savez qu'il va vous tuer, eh bien, il faut essayer de le blesser. Il faut essayer de le tirer dans les pieds, là. Donc, il ne peut pas faire autrement. Maintenant, si vraiment ce n'est pas possible, il n'y a pas d'autre solution,
Ah oui, malheureusement, dans ce cas-là, on ne peut pas laisser tous les criminels gouverner le monde. D'accord, la légitime défense est permise, même parmi les lois de Noé, les principes universels, c'est comme ça. Donc on peut aider Israël et le monde entier avec ce. Moi, j'écris plusieurs lettres pour les gens, j'ai des professeurs dans les lycées. J'écris plusieurs lettres à la ministre de l'Éducation nationale en disant qu'il fallait mettre en place cette minute de silence dans les écoles laïques. Tous les élèves vont tirer chaque matin, chacun avec ses propres idées, c'est pas pour les gens. Si chaque élève pouvait réfléchir avec ses idées, lui, comment on peut les ramener avec nous. Voilà. Et puis, nous, pour les juifs, on a le fameux Mishsaïm que Rabbi nous a donné. Quand on met une fille à un autre juif, ça envoie des ondes qui vont plus vite que la lumière, qui arrivent à Gaza, qui arrivent partout où il y a des terroristes, qui les terroristes, qui terrorisent les terroristes, les ondes. Quand on met une fille à un juif, et quand on enseigne les principes universels à quelqu'un qui n'est pas juif, les lois de Noé, on lui apprend cette minute de silence tous les matins, etc., de donner au cours, etc., ça envoie aussi des ondes. Et toutes ces ondes, elles vont se matérialiser sur un homme qui sera le Messie, qui sera le Machiach, qui apportera la paix universelle au monde entier. Et nous, on ne va pas avoir peur. Parce que Moïse, il avait peur. Et c'est pour ça que le pharaon a voulu créer Moïse, c'est seulement parce qu'il avait peur. C'est pour ça que la Bible nous parle comme ça. On doit toujours avoir confiance que Dieu vous aidera. Moïse, il n'avait pas eu peur seulement pour lui, il avait eu peur pour le peuple juif. Et bien, nous aussi, maintenant, on ne doit pas avoir peur pour le peuple juif, on ne doit pas avoir peur pour Israël. On doit être en plus une certitude totale, qu'on fait confiance en Dieu. Et que Dieu sauvera Israël, protégera Israël, il fera que Israël n'arrive pas à vaincre tous ses ennemis, à reprendre le contrôle de Gaza, et au monde entier, si Dieu nous a donné cette terre. Et comme ça, tous les pays voisins, finalement, ils accepteront le sang d'Israël, ils font la paix avec nous. Et Israël deviendra un exemple qui apportera le bonheur à tous ses voisins et aura la paix universelle. Voilà. Parce qu'en vérité, pourquoi on voit tous les pays arabes qui sont tous les civils? Ils sont tous en train de se déchirer les uns les autres, faire des guerres civiles sans arrêt. Partout, au Liban, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, partout, ils sont en train de s'entretuer entre eux, pas seulement contre Israël, mais entre eux. Mais en vérité, c'est Dieu qui les aveugle pour les empêcher de mourir. Et le Dieu qui offre. Et le jour où ils nous reconnaîtront et font la paix avec nous, ils seront bénis, Dieu les bénira, et le monde entier vivra en paix. Alors, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur à moi aussi et au monde entier. Et voilà, surtout, soyons des simchas, n'ayons pas peur, on fait confiance en Dieu, il n'y aura que du bonheur. Et comme disait Rabbi Al-Bolaï en Kippour, notre joie ici, elle va se colporter sur nos frères en Israël d'Israël et elle va leur donner une victoire absolue, définitive et totale avec ma chère dessus. Bon, alors, chers amis, maintenant, il s'agit de. Donc, tu veux présenter le livre? Peut-être que je ne veux pas le livre. Oui, allez-y, peut-être. Oui, c'est bien. Bon, chers amis, voilà. Tout ce que je vous ai dit là, tout ce que je vous ai expliqué bien plus en détail dans les quelques livres que j'ai écrits, d'accord, ils sont là. Le prix est très modeste, c'est pas cher du tout, c'est 25 euros le livre. Vous pouvez payer en PayPal si vous n'avez pas assez de prix pour vous. Et puis, ça me fera plaisir de vous les dédicacer. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire maintenant et vous les trouver aussi. Allez, chers amis, que du bonheur, que des gens pour tout le monde et que le Messie. Voilà tout ce qui est passé du Messie en vous. Pour plus de bonté, plus de gentillesse et ceux du bois. Voilà. Hop là. Merci beaucoup, Esther Goldberg, pour ces paroles qui viennent du cœur, qui rentrent dans le cœur. Et merci à tous et à toutes qui sont présents. Encore une fois, leur prix, c'était avec tous les gens qui sont arrivés, spécialement de la municipalité, de la mouvement jeunesse. Voilà, on espère que les prochains mois, qu'on va vous aider, on va se rassembler pour les événements joyeux. En bonne santé et dans l'amour et
qu'Hachem est dans chacun et chacune la force de continuer de faire notre mission, notre rôle, de ramener la positivité, la lumière et l'amour dans le monde. Et comme le Rabbi l'a dit dans la vidéo, la réponse suite au terror, c'est rajouter la lumière, c'est rajouter la doute, rajouter encore une bonne action, encore une chose positive dans le monde, et ça va automatiquement chasser l'obscurité. Et aujourd'hui, on est tous connectés, on est tous attachés, même si on n'est pas physiquement dans la terre d'Israël, mais on peut le sentir dans le monde entier. Le monde entier aujourd'hui, en train de se réveiller et savoir qu'il y a un Dieu sur terre, et la vérité, il va sortir. Le Rabbani qui en parlait dans le premier passage que Rashi dit qu'il Hachem, il a créé le monde. Et le premier passage, le premier verset, c'est pour nous dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, c'est le patron du monde, et c'est lui qui a créé toute la terre, et c'est lui qui a donné cette terre d'Israël comme un héritage permanent pour le peuple juif. Et ça, c'est quelque chose qui se marque clair dans la Bible. Tout le monde est en courant, c'est pas un secret. Et ça, c'est le message qu'ils ont dit au monde entier. Et aujourd'hui, pas seulement qu'il est Israël, ils ont le droit de se défendre, mais la contraire, c'est une obligation de diffuser que la terre d'Israël appartient au peuple juif, le peuple choisi, parce que nous sommes une lumière parmi les nations. Et le fait qu'il va au Hachem, nous avons cette mission sacrée. Alors le bon Dieu va nous donner le courage et la force de réussir notre mission. Et Bezrat Hachem, d'amener les délivrances totales avec notre juste Mashiach. Amen. Amen. Les hommes qui voudraient faire la prière là, vite, on va faire des gens les prières. Sinon, il y a une collation. Vous pouvez vous servir.